Bonjour. Le 17 mars, la planète Mars passe en mouvement rétrograde. Mars représente notre énergie vitale, notre pouvoir d'action. En rétrogradant, la force d'action se dirige vers l'intérieur. Nous avons plus de mal à extérioriser cette force vitale et l'on peut ressentir de la frustration, une colère rentrée. Pourtant, cette énergie tournée vers l'intérieur se met en contact avec l'inconscient et peut représenter un potentiel créateur important. Un travail de réorientation de notre action, de notre énergie dynamique, nous sera demandé. Période durant laquelle nous pourrions avoir l'impression de ne pas obtenir ou atteindre ce que nous souhaitons. Il faudra veiller à ne pas céder à l'insatisfaction, au défaitisme, ni entretenir de vieilles rancunes ou colères. La rétrogradation de Mars peut être aussi bénéfique et nous donner l'occasion de reprendre des projets, des initiatives mises de côté ou délaissées. Si nous parvenons à comprendre ce qui a pu représenter un obstacle à leur épanouissement, en changeant d'attitude, en leur donnant une nouvelle orientation sans doute, parviendrons-nous à les faire aboutir. Avec le trigone du Soleil, Vénus et Uranus en Bélier, et le trigone de Mars et de Saturne en Sagittaire, voici un mois positif et énergique. Le ciel vous accorde encore la facilité de vous réaliser. Lancez ce challenge. Vous aurez raison d'avoir l'esprit curieux ou aventureux. Ce mois d'avril qui vous promet de jolies perspectives. Votre belle énergie, morale au top et résistance à toute épreuve, vos activités seront les premières à en profiter. Par contre, certains de vos adversaires ont les dents longues et leur comportement vous exaspère. Vous avez beau faire des efforts, vous êtes incapable de contenir votre colère. Mais attention, ne sortez pas de vos gonds n'importe quand et n'importe où. Cela pourrait vous desservir. Côté cœur, à deux, ce mois d'avril s'annonce passionné. Un regain d'affection et une opération séduction. Ne contrôlez pas votre ardeur à aimer, car les astres pourraient faire de vous des amoureux comblés. Profitez-en. Pour les célibataires, avec le tandem Vénus-Mars, vous serez prêt à vous enflammer pour une aventure ou pour une liaison durable. Vous devriez faire des prouesses en matière de séduction. Je vous souhaite à tous un bon mois d'avril et vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir.